Bonjour, mon nom est Edith Joignard de Collection Inédite et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon projet que j'ai fait pour Courtepointe-Québec. L'Auberge du Trésor et le Bistrot 1640, qui est situé dans le Vieux-Québec et il est riche en histoire. En 1640, la maison est l'habitation du régime français de Nouvelle-France et elle est connue sous le nom de la Compagnie des 100 associés, dont 100 actionnaires mandatés par Richelieu et un de ceux-là était Samuel de Champlain. Mes ancêtres maternels, les Laporte, et paternels, les Sabourin du Choignard, sont arrivés en 1550 et 1555. Jacques Laporte avait été recruté en France par de Maisonneuve pour aller à Hochelaga, maintenant Montréal. J'ai toujours été attirée par cette auberge avec ses couleurs et son architecture, et j'ai souvent laissé aller mon imagination à penser que deux de mes ancêtres qui sont arrivés de France par bateau, en allant vers Montréal, auraient peut-être vu cette maison et passé un peu de temps. Lorsque Courtepointe-Québec m'a demandé de faire un projet qui représente le Québec, je savais exactement quoi faire. Si vous êtes intéressé, je vous propose de faire ma classe des maîtres, dans laquelle vous découvrirez des techniques et améliorer votre piqué libre. Si vous avez un brin de folie, que vous aimez les défis, bien, ce projet est pour vous. Alors, à bientôt!